Bien le bonjour tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle saison sur 7 Days. Nouvelle saison, hein, nouvelle mise à jour, donc nouvelle saison. Là, on est à l'alpha 10.1 déjà, ils ont fait une petite mise à jour depuis l'alpha 10 pour corriger quelques bugs, etc. Alors je connais pas trop les nouveautés de cette mise à jour. En tout cas, je suis en train d'enregistrer cette vidéo en 60 fps. J'espère que ça tournera bien, parce que là on est que dans les menus. Mais en jeu, ça risque de ralentir un peu. En tout cas, on va commencer une nouvelle partie. Donc, une nouvelle partie à l'ancienne, en solo pour l'instant. Après, si on trouve un moyen de pouvoir jouer en multi, récupérer notre serveur, etc., on verra. Mais pour l'instant, je commence tranquillou en solo à l'ancienne. Donc, on va prendre le random gen. J'hésite en fait entre la bonne vieille map, qui est quand même sympa en solo, ou random gen qui est un peu plus corsé et un peu mieux pour moi. Bon, je vais prendre quand même random gaming for fun, standard option difficulté nomade, on va laisser comme ça, c'est très bien. Mode et option, alors 24 heures cycle 40 minutes, oui. Bloc durabilité 100%, load respawn times, on va le baisser un peu. Non, quoique je vais le laisser comme ça, vu que je suis tout seul, il y aura quand même pas mal de loot. Loot abondance 100%, c'est parfait. Ennemi memory, ennemi spawn medium, craft timer. Craft timer, vu que je suis en solo et que je vais tout crafter tout seul, je vais enlever le craft timer. Je vais l'enlever, parce que sinon ça va être très long. Airdrop. Airdrop, tous les 7 jours. Allez. Cheat mode off, bien sûr. Ça, c'est quand j'avais testé les différents items. Donc voilà, on va se commencer une nouvelle partie. En espérant que tout fonctionne bien en 60 FPS. Je croise les doigts. Parce que j'aimerais bien reprendre cette série avec en utilisant toutes les capacités de la nouvelle config. Malheureusement, Shadowplay ne marche pas. Sur 7 Days to Die, je ne sais pas pourquoi, mais j'utilise Fraps du coup, qui est beaucoup plus lourd. Mais bon. Re tout le monde, enfin je dis re, mais ça se verra pas au montage. J'ai eu un gros crash juste après le chargement. La mémoire, c'est écrit, la mémoire ne peut pas être read, machin, gros problème, résolution, tout ça. J'ai redémarré le jeu et ça va un peu mieux. Donc, le 60 FPS a l'air de plutôt bien tourné, ça a l'air d'aller. Fraps tient le coup, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ça sera pas du 1080p, malheureusement. Ça sera du faux 1080p, hein, un peu comme comme quand j'ai commencé les vidéos. Ça sera en gros de la 720p retransformée en 1080p. Mais bon, c'est pas très gênant, hein, ça reste un jeu où il n'y a pas forcément. Enfin, il n'y a pas énormément de détails graphiques. Donc on va pouvoir gérer ça comme ça, là direct il y a une maison, c'est nickel. J'irai d'explorer, il y a du zombard quand même. Hein. Il y a du zombard. Hein. Dégage. Brûle. Voilà, ça c'est bien ça. Ça j'aime. Voilà, une des nouveautés de l'Alpha 10. Cramage de zombies. Très efficace, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, ça marche pas toujours. Voilà. Ah! Saloperie! Il y a beaucoup de zombards quand même. Hein. Il y a beaucoup de zombards. Il y a un cochon mort là. Ouais, mais je vais pas prendre la viande parce que. Parce que. On va se dépêcher. Ah ouais. Ils ont. Enfin, les maps ont aussi changé. Oh, désolé, excusez-moi, il y a mon téléphone qui. Pète un plomb. Aïe, et voilà, nom de Dieu. Je disais donc, il y a aussi la map, la génération aléatoire de map qui a changé. Ils ont fait un nouveau pattern de village, etc. Et qui est tout juste génial. Quoi. Avant, on avait quoi, 2-3 maisons sur le bord de la route comme ça. Là, maintenant, on a des petites rues, enfin, plein de petits bâtiments comme ça, des bâtiments qu'on ne voyait pas forcément avant, comme celui-là. Il me semble pas qu'on le voyait tant que ça. Tout genre de choses, quoi.
Par exemple, là, si j'affiche la map, vous voyez, ça fait un petit village carré. Avant, c'était pas du tout comme ça. Et il y a énormément de zombies. Mais c'est quoi ce délire? J'essaie de fouiller la maison en mode ninja. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Une des nouveautés aussi, c'est que la plupart des portes des maisons sont fermées. Du coup, t'es obligé de les péter. Ça va être très très chiant, ça. Je vais prendre un caillou. Il y a trop de zombies, ça. C'est hallucinant. En même temps, je suis près d'un village, c'est normal, mais... Bon. Là, on prend un brin d'herbe. Et il me faut une baguette. Donc, c'est le bouton. J'ai de quoi faire ma petite vache. Alors, je suis toujours hunted, oui, bah oui, une armée de zombies derrière mon cul, là. Oh, le... J'ai l'impression qu'on marche aussi un peu plus lentement. Je me fais peut-être des idées. C'est une impression que j'ai. Voilà, comme ça on fait ça vite fait. Voilà. Je vais essayer de péter la porte d'une maison, mais je promets rien. Bon, c'est des portes en bois, hein. De toute façon, c'est de la porte de merde. Comme ça, je pourrais me réfugier. Ah, elle se pète vraiment, mais c'est énorme. Et je peux passer. Non, je peux passer. Ah, oh. Mais regardez combien ils sont. Eh, je sens que ça va être encore la flip de la loose. Hein. Je sens que cette saison, ça va être des vieux cris de pucelle. Non mais ça... Tiens. Tiens. De gérer comme ça, je vais essayer de les gérer, les zonzons là. Alors je me demande si le feu ça se contamine, enfin ça c'est contaminé, enfin si en s'approchant à un zombie qui crame, les autres crament, mais je ne crois pas. Non non, c'est dommage, mais bon, ce sera un peu cheaté quand même. C'est bon, je suis rentré, go go go. Mais putain, tout est défoncé là-dedans. Je vais me faire coincer, je vais me faire coincer. Oh putain. Oh shit. Non. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Foutez-moi la paix. Cette saison commence bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette saison commence bien. Elle commence très très bien. Ouais, je vais éviter les villages en fait. Ouais, non. Ouh, je suis dans un bon gros biome de merde. Oh la vache. Non, on va éviter le biome ville. Si on veut pas mourir, quoi. Ah, j'ai tout perdu. Merde! Je pensais au moins que je garderais ce que j'avais dans la ceinture là, mais non, non. C'est que dalle. Oh, y'a rien. Oh mon dieu, la loose! La loose! J'apprends. Je vais prendre de l'herbe. Pourquoi j'ai hurlé comme ça, moi? C'est pas possible! Et je suis vraiment devenu une flippette, hein! J'étais pas comme ça avant!
Non mais les gars, j'étais pas comme ça avant. Pourquoi je vais rouler comme ça? Ah putain de merde, mais d'où il vient lui? Mais c'est quoi ce délire? Mais dégage! Dégage! Putain de clébard, dégage! Mais il s'est téléporté devant moi lui, c'est pas possible! Il m'a fait flipper ma race! Ça fait deux fois de suite! Ah, lâche-moi! Ah putain, je suis encore mort! Allez, allez! Ah non, je saigne et tout, vas-y, tue-moi. Voilà. Voilà, eh, il est devenu dur, hein. Enfin, il est devenu dur. Ouais, ça fait... C'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais... Wow. Wow, wow, wow. Ça promet, ça promet. Mais putain de clébard, quoi. C'est quoi ce biome? C'est un biome neige, ça? De l'autre côté aussi, ouais. Faudrait que je fasse... Ouais, faudrait que je fasse un peu d'exploration aussi, parce que... Alors, le biome neige. C'est peut-être un peu plus safe que... Je crois qu'il n'y a pas de chien dans le biome neige. Je suis pas sûr, hein. Mais je crois qu'il n'y a pas de chien. On va prendre un peu de hauteur. Buisson, attends. Ah non, c'est un... Oh nice! C'est des petites baies! Oh là là, des buissons à baies! Nickel! J'ai de la bouffe quoi! Par contre, ça file peut-être la chiasse. Je sais pas, je me suis jamais vraiment nourri de baies. Ah mais il y a de la bouffe quoi! C'est nickel! C'est nickel, par contre, j'aimerais bien trouver une route. C'est vrai que je me suis un peu enfoncé dans les bois. Qu'est-ce qu'il me fallait aussi? Un bateau. Putain, une route. Wow. Une route droite. Non. J'allais dire ça. Non, c'est... Si je peux faire un buisson à bête, que j'ai un bout de bois. Ah mais foutez... Ah foutez-moi le... Oh là là... Bon... Non, de toute façon je ne crois pas que j'aurais eu... Genre, regardez-moi toutes ces baies... Parfait ça... Oh là là là, les baies... Oh... Oh de la bouffe, de la bouffe... De la bouffe... Il y a aussi le nouveau système, enfin normalement, j'ai pas encore testé, vu que j'ai pas vraiment joué, mais le nouveau système de horde, etc., de zombies qui arrivent en éclaireur, qui va prévenir ses potes, y a vraiment pas mal de choses liées à des zombies a été changé. Les nouvelles animations sont toujours pas là, mais normalement je crois qu'elles devraient pas arriver bien. Je suis un peu fatigué là. Est-ce que ça réhydrate les baies? Yeah! Hydratation, nickel! Bon, ça fait que plus... Ah, il va falloir que j'en mange beaucoup, par contre. Il va falloir que j'en mange beaucoup, mais... de toute façon, ici, il y en a beaucoup, donc je suis assez peinard, quoi. Alors, moi, ce qu'il me faudrait... Alors, qu'est-ce qu'il me manque? Oui, il me manque juste un bout de bois, en plus. Donc là, il y a une route droite, on va y aller. Ça annonce souvent des bâtiments. Moi que c'est par là que je viens. Non, 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 ça va. C'est pas de par là que je viens. Il y a un lapin qui vient de mourir. Super. Ok. Est-ce que je suis repéré? Non. Il est discret, je vais essayer de péter un buisson. J'espère que ça me donne une baguette. Très bien. Une tête, putain, mais c'est pas possible! Hein. J'ai pas fait plus. Non, ça m'a juste donné les baies. Ouais, c'est génial! Va falloir que je pète un arbre à main nue, ils sont sérieux. Je veux juste une baguette, moi. Ah! Il y a une bâtisse là-bas, deux bâtisses.
problème, c'est que qui dit bâtiment dit beaucoup de zombies. Voilà. En tout cas, ils sont bien moches dans le biome neige. Hein, les zombies. Alors, c'est des petites cabanes, apparemment. Petites cabanes de bûcherons, il hein, y a quand même. Ah, y a... Oh, il y a du bric-à-brac là quand même, il hein, y a de la paille. Ouais, vas-y, pète la porte pour moi, pète la porte. Non, pète la porte. Ah! Putain. C'est pas possible. Oh là là, mais... Hey, la couille molle que je suis, c'est pas possible. Est-ce que je peux pas péter carrément le... Ouais. Ah non, c'est mal barré. À main nue, ça va pas le faire. Il me faut une baguette. Ouais, des googles, des lunettes de ski, super. Les plumes, alors là, les plumes, il va falloir quand même. Là, il va falloir quand même. Donc, ouais, c'est cool, je suis bien dans le biome neige. Il y a de la bouffe, il y a tout ce qu'il faut. Sauf de quoi faire une putain de hache. Oh, c'est de l'herbe, ça. Ça c'est de l'herbe. Oh là là, enfin je pète un arbre à main nue. C'est bien ce qui me semble. Ça risque d'être très très haut. Il y a des zombies partout. Donc je vais essayer de prendre un arbre pour cible. Et et voilà quoi. Ah, si on pète des nids, ça fait pas des baguettes. Je suis en train de me poser la question. Non, non. Je dis une connerie, je dis une connerie. Non, non, non. Ça fait rien du tout, ouais. Ça fait que dalle, ouais. Toi, tu m'as pas vu là-bas. Tu m'as pas vu. J'essaie de... Oh putain, c'est pas possible. En fait, tu peux pas ne pas te faire repérer, quoi. Tellement il y en a partout. Car je suis hunted encore. J'ai l'impression qu'il y en a qui spawnent dans mon dos, quoi. Ça va être très problématique, ça. Dégage-toi. Ah bah putain! Ah, t'es morte! Je suis en train de foutre des coups de poing dans un tronc d'arbre. Hein. Vous voyez à quel point je suis désespéré quand même. Ah, c'est pas vrai, je sais pas quoi faire. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourquoi je peux pas le faire avec un short metal pipe? C'est bien ça. Attends, tu peux... Comme ça. Ça marche pas. Ah, bon, je vais remanger des baies. Mais si j'ai pas de hache, ça va être coton pour la nuit. Hein. Je sais pas comment je vais faire la nuit. Je vais rester dans un coin, je sais pas. Mais même dans un coin, je vais me faire carrément repérer. Oh, ça c'est beau ça. Je vais me faire carrément repérer, c'est ça le problème. Ouais. Est-ce que je suis... Ouais, je suis encore repéré, mais je sais pas. C'est dingue, hein. Oh, attends, ça donne... Ah, ça donne un bâton, ça. Oui. Allez. Oh putain, alléluia. Oh. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Voilà, j'ai ma hache. Ah, j'ai ma petite hachette en pierre de Cro-Magnon. C'est pas grave. C'est déjà ça. Hein. Pas moisi. Ah non.
Bah tapez-vous entre eux, ouais, c'est bien. Non mais merde! Et regardez dans les biomes de merde dans lesquels je réapparais, quoi. C'est quoi ça? Des charges? Chelou comme truc. Ah non mais là ça fait chier la bite, hein. Ah, des clous. Ça fait chier la bite, hein. Je me suis fait avoir par derrière. Sans mauvais jeu de mots. Mais voilà. J'aimerais bien retrouver un biome forêt, quoi. C'est pas grave, c'est pas comme si j'avais énormément de trucs sur moi. J'avais même carrément rien. Hein. J'avais ma bite et mon couteau, c'est tout ce que j'avais. C'est très bizarre ça. Il y a un chien. J'ai entendu aboyer, faut que je me casse d'ici. Ah ça, ça fait du bois ça. Ça fait du bois. Voilà. Regarde, là, je vais en avoir de la baguette. Voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je vais prendre mon truc d'arbre. Et mon caillou. Eh oui, voilà. Comme ça que ça marche. Hein? Hop, craft. Hop, hop. Bon, je suis vraiment désolé de ce pauvre gameplay. J'ai fait de la merde pendant tout l'épisode. Je suis vraiment désolé, hein. Mais faut que je reprenne tout doucement, quoi. Faut que je m'y remette. Faut que... Il est où le biome forêt là? Non mais. Ok, j'ai spawn là-bas, je me suis fait buter par le chien. Là c'est le biome ville. La ville. Putain, ça se trouve le biome forêt il est. Ouais, d'accord. Oh, attends. Ok, c'est où ça? 1,4 km. Faut que je traverse le biome ville. Oh non 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 non, 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 je suis pas d'accord là. À moins que je contourne, mais ça va prendre des plombes. Entre temps, j'en profite. Ouais, ça prend des plombes, c'est ça le truc. De toute façon, on va se séparer là parce qu'on se rapproche quand même de la lumière. Hein. Ça va vite, ça va très très vite. En tout cas, je suis content de pouvoir capturer en 60 fps. Je suis aussi content de. Enfin, j'ai des petites baisses quand même. Hein. Des fois, je baisse à 40, mais. Je suis aussi content de pouvoir reprendre ce jeu tranquillement et tout. Je suis aussi content de cette nouvelle mise à jour qui ajoute quand même pas mal de nouveautés. Surtout. Dans les équipements qui sont maintenant visibles sur le personnage, etc. Enfin, il y a des nouvelles armures aussi, il me semble. Donc l'équipement a pris quand même une bonne place maintenant dans le jeu, parce que les voir sur soi, en fait, ça force un peu les gens à se fringuer, tout simplement. Un peu comme dans Rust. Toi, je vais t'aboiner la tête. Et ça sent le fail encore, hein. J'arrive même plus à me fighter avec un zombie, quoi. Ah, y a plein de... Oh, oui. Ça, c'est bien, ça. Bien avoir la chiasse. Oh. Ah, oh, récupère. Oh là là là, il y en a partout! Je vais me faire une piscine de myrtilles! Hallucinant! Ah, je crois que c'est des myrtilles, hein, blueberry, c'est. Ah non, une abeille, putain! Ah, elle est là-bas. J'espère qu'elle vient pas sur moi, parce que. Pète un pont, là. De toute façon, on va. Ouais, on se sépare ici, donc. Je vais faire échappe, quitter, donc, de toute façon. Voilà. Les ennemis vont se réinitialiser, tout ça. Oh, un petit lapin. Bon, voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu, le premier épisode de cette nouvelle saison. J'essaierai d'en faire régulièrement, je vais faire en sorte que ça dure. Même s'il y a une nouvelle mise à jour, je vais faire en sorte que ça dure. Et voilà.
voilà, si vous avez des conseils, des suggestions, tout ce que, ou si vous avez quelque chose à dire sur la nouvelle mise à jour, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des conseils ou des trucs du genre, tiens, dans la nouvelle mise à jour, on peut faire ça, etc. Parce que je suis pas forcément au courant de toutes les nouveautés. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à me dire, tiens, voilà quoi. Donner des conseils, etc. Donc voilà, en espérant encore une fois que ça vous a plu, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. Et à la prochaine, c'était Azarath pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde!